Ravi de vous retrouver pour ce qui sera sans doute le dernier épisode de ce Let's Play Theme Hospital. Alors je vais tout faire pour essayer de finir cette mission, mais c'est pas gagné en fait, hein, parce que l'argent monte assez lentement, on va dire. Alors j'espère profiter de l'évacuation de mon hôpital pour faire un peu le ménage, mais comme je l'ai dit l'épisode précédent, les évacuations en fait ça apporte pas grand chose puisque les nouveaux patients continuent à arriver et du coup, très vite on s'aperçoit que la différence est très minime. Ok, ça c'est bon. Ah, c'est quand même beaucoup les agents d'entretien qui demandent à être augmentés, je trouve. Ah, là c'est quand même pas mal. C'est relativement propre. Quand j'ai l'impression qu'il y a quand même des problèmes de chauffage. Oh là. J'ai une machine qui tombe en panne, je sais pas où. Je vais mettre en vitesse un peu plus lente. Ah, sérieux, pour la trouver, c'est là qu'on voit les limites de l'interface sur un vieux jeu comme ça. Ah, c'est là, voilà. Cette machine est super fragile. Toujours celle qui craque la première. Alors, je vais voir un truc. On en est où pour ce qui est de l'enseignement? Ouais, c'est toujours pas bon. Alors, j'espère que elle, c'est son traitement définitif. Ouais, c'est quand même beaucoup plus propre. Donc tous les espoirs sont permis. Ouais, c'était son traitement définitif. Donc j'ai bien l'impression que je me suis débarrassé de tous les gens contaminés. C'est encore compliqué de trouver des chirurgiens. Alors, je sais pas où on en est question formation, je vais regarder. Il y a lui qui apprend, le numéro 3. Normalement, il devait y en avoir un autre. Hein. Ah, mais c'est bizarre qu'il n'y en ait qu'un. S'il n'y en a qu'un, je vais corriger ça. Ok, il n'y en a qu'un. Donc ce sera lui. Alors... Oh, mais j'ai été encore puni de 4 000 $. Ça, c'est un peu pénible parce que c'est dur de les trouver. On peut penser qu'ils sont tous... on les a tous trouvés et en fait, il s'avère souvent que c'est pas le cas. Alors, j'ai quand même des docteurs qui sont bien fatigués. Ah, ici, j'aimerais bien mettre une machine à coca. Je peux le mettre là. Je crois que je vais avoir besoin d'un radiateur ici. Deux. Ah, c'est chiant, ça disparaît. Alors, 3 radiateurs. Il faut que je me souvienne. Je vais en mettre un là. Un dans l'entrée. Et un ici. J'ai du mal à le choper. Je crois qu'il y a un truc qui est dégueulasse là. Ah, peut-être pas. Je me fais peut-être des idées. Ouais. Bon, là, ça a l'air propre. Ça a l'air très fréquenté, mais propre. J'ai quand même mis 3 GP ici, j'aurais fini par en avoir vraiment beaucoup. Est-ce que j'ai mis mes 2 chercheurs? Je me rappelle plus. Non, j'ai peut-être mis qu'un seul chercheur.
Il faut que j'en trouve un autre. Lui, par exemple, il pourrait faire de la recherche. L'avantage de la recherche maintenant, c'est le but principal, c'est d'améliorer les machines, je pense. Ouais, improvement. Je pourrais même diminuer le reste. Et améliorer les machines, ça leur permet de servir plus de fois avant d'être détériorées, évidemment. Assez logiquement. Merde. J'ai une machine qui souffre. Alors, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est jamais celle-là. Celle-là est très résistante, le cardio. C'est pas celle-là. Oh putain, c'est où alors? On remarque que celle-là n'est pas en bon état. Hein. Elle a déjà servi 50 fois. Mais celle qui... s'il y a eu le bruit, ça veut dire qu'elle doit fumer quelque part. Ouais, c'est pas celle-là. Celle-là est en sale état. Ben, je la trouve pas en fait, ça m'inquiète. Peut-être que celle-là vient d'être réparée. Bon. C'est peut-être celle-là qui était en mauvais état, je sais pas. Oh, ils sont nombreux à mon avis. On va tenter notre chance, mais vu le nombre, ça m'étonnerait que j'arrive à faire quoi que ce soit. Peut-être que on va essayer de les mettre en prioritaire. Ah bah elle est toute seule dans la file d'attente. Sais pas ce que font les infirmières. Je suis censé en avoir trop. J'ai souvent le message comme quoi j'ai trop d'infirmières, mais d'un autre côté, quand j'ai besoin d'elles, il n'y a plus personne. Tiens, lui, j'ai l'impression. Ah merde, c'est déjà mort. Ça veut dire que je me suis fait choper ça. Bon, bah j'ai encore avoir le droit à une amende. Trente-deux mille d'amende. Honnêtement, je ne sais pas si je peux remplir cette mission. C'est difficile. Alors, je vais mettre un peu plus de chauffage dans ce couloir-là, par exemple. C'est celui-là, ouais. J'en mets deux. Peut-être pas la peine de les mettre aussi éloignés d'ailleurs. Non. Ah, surtout qu'il y en a déjà un là. Voilà. Là, c'est mieux. Je suis obligé d'en mettre deux ici aussi, je crois. Ouais. Donc, ça va me coûter cher, question chauffage, mais je pense que pour le bien-être de mes patients. Ok, c'est mieux. Il faudrait que j'en mette un ici. Je sais pas trop où c'est ça. Est-ce que c'est là? C'est entre ouais, c'est le scanner. En fait, j'arrive pas à retrouver où c'est. Ah, c'est là. Ok. Ensuite, là j'en aurais besoin d'un dans le coin. Donc ça doit être ce coin-là. Franchement, ça devrait remonter là. J'arrive jamais à monter ce chiffre, je sais pas pourquoi. Ouh, j'ai un problème de satisfaction là. 488, ça a bien diminué. Normalement, si j'ai plus d'épidémie, ça remonte quoi, mais.
Et puis ça remonte souvent à l'occasion du début de l'année. Pourtant, j'entraide des patients. Et j'ai plus trop de gens qui seraient malheureux ou près de mourir, hein, a priori. Ah, là, j'en ai une là. Et elle a froid. Je sais pas pourquoi elle a froid. Je sais pas où elle va comme ça. Elle tourne beaucoup en rond, mais ça donne quoi les cours? J'ai trois scientifiques, c'est un de trop. Là, il enseigne à personne, ça m'embête un peu, je dois dire. Ça se trouve, ils ont fini leur formation. Non. Ah, mais lui, il devrait être là. Peut-être que quand je l'ai remis dans la pièce, je l'ai pas remis au bon endroit. C'est aussi une possibilité, en fait, a priori. Ah, il est là. Ah, c'est bon, il est en pleine forme. Ok. Ma réputation, faudrait qu'elle remonte au-dessus de 500. Je sais pas combien il faut. Ah, je suis à 500. Ah, c'est bon. Il faut avoir plus de 500 à mon avis. Mais le problème, c'est l'argent. Je suis à la moitié, mais enfin la moitié, pas tout à fait d'ailleurs. Ceci dit. Ah, sérieux, il y a toujours des problèmes de docteur alors que il y en a tellement qui tournent en rond là. Faut pas que les gens attendent. Ce que je vais faire ici, je vais tout de suite mettre des toilettes, je pense. Et je vais mettre un généraliste aussi. Et il n'y a toujours pas d'urgence. Ça manque les urgences, honnêtement. C'est très drôle et c'est intéressant financièrement. Ça manque dans ce scénario, je dois dire, enfin dans cette mission. C'est un peu dommage. Je vais pas me mettre là, je vais me mettre pile en face. Je pense que ça va faire gagner du temps pour ce qui est des traitements. Y a quand même pas mal de gens qui passent ici au blood scanner là. Ok. Alors il n'y a plus d'épidémie, l'hôpital est relativement propre, on va dire. Merde. Pas non plus super propre, faut bien l'avouer, mais si je fais un petit effort que je les mets à nettoyer manuellement comme ça. Par contre, il commence de nouveau à y avoir du monde. Hein. Ouais. Quand je vois le scanner, par exemple, ici. Bon, trois personnes. Ça défile vite. Alors, je sais pas combien j'ai pu tuer de personnes cette année. Je sais pas si j'en ai pas tué zéro. Hein. Difficile à dire comme ça, mais en tout cas, je soigne énormément de patients. Évidemment, j'ai beaucoup de frais, l'argent monte pas aussi vite que ça. Mais bon, là je vois qu'il y en a encore un autre qui arrive. Qu'est-ce qu'il raconte au sujet de la maladie contagieuse là? Merde. Ah là, je soigne beaucoup de monde, hein. On entend la petite mue, les gens qui crient hurrah à chaque fois là. Ils attendent pour où là, les gens là? C'est putain, pourquoi il n'y a pas de docteur ici, quoi, avec tout ce que j'ai? Ça, c'est pas normal, quoi. Devrait tout le monde toujours y avoir du monde.
Avec le nombre de docteurs que j'ai. J'ai pas envie d'en acheter d'autres parce que le but c'est quand même de faire de l'argent, donc peut-être se calmer, mais. Ah putain, elle attend où elle? Je crois que c'est. Elle attend pour le ward. Non, elle attend pour le généraliste. Bon. Et pourquoi elle attend à l'autre bout de la pièce? C'est ça, à l'autre bout de l'hôpital, c'est ça qui me tue, quoi. 4000, 45, ça fait 75 de bonus. 50, ok. Bon, c'est pas mal. Ça me permet de remonter 568. J'espère qu'elle en est rendue au traitement. J'ai quelques doutes, mais bon. Je comprends pas qu'elle a attendu aussi longtemps. Ah, si, je crois qu'elle est rendue au traitement. Yes. Une morte de moins. Oula, ça commence à être un peu crade. Il va falloir que j'y fasse attention. Pour éviter les épidémies, hein, c'est quand même important d'avoir un hôpital propre. Là, ça m'a l'air d'être bon partout. Ici aussi. Merde, c'est pas ça que je voulais. Ce que je voulais, c'était la recherche. Ouais, c'est bon. Là, j'ai dépassé les 50%. On a dépassé les 200 000. C'est quand même bête, je pourrais presque finir cette mission. Je vais augmenter les tarifs, tiens. Je le fais pas souvent. En fait, si je le fais pas souvent, c'est parce que c'est quand même super chiant. Faut tout faire un par un. En plus, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura peut-être moins de patients dans mon hôpital, donc. Ce sera moins fréquenté, moins de maladies contagieuses. Ça ne peut que être bon. Pendant ce temps-là, le temps continue à tourner. On entend que je soigne beaucoup, beaucoup de patients. C'est pas non plus une augmentation de folie. Juste un pour cent. Et ça, je sais pas ce que c'est, autopsie. Je crois que je m'en suis jamais. Voilà, il quitte parce que c'est trop cher. Et pourtant, j'ai rajouté que 1%. Hein. Et c'est vrai que ça va très très vite. Ne serait-ce que 1%, ça suffit pour les dégoûtés de l'hôpital. Alors, lui, j'ai envie qu'il passe en premier, ouais. Bon, en tout cas, c'est propre. Hein. Pourquoi il soigne pas? Voilà, c'est bon. Non, je ne vais pas remplacer les machines, je vais les réparer. Là, c'est bon. Ouais, il y en a qui ont beaucoup souffert. S'il y a un tremblement de terre maintenant, ça va être chaud. Bon, celle-là, elle est bien. Ah, j'ai eu un chirurgien, donc je crois que j'ai fini une formation. Je vais pouvoir en prendre d'autres. Je pourrais prendre celui-là, par exemple. Il saura tout faire, il est déjà chercheur psy. Ah, mais lui aussi. Ah non, lui il est consultant donc je peux pas le mettre. Ah, pas mal, une récompense. Lui il est consultant, je peux pas le mettre non plus. Lui il pourrait devenir chirurgien. Je pense que ça fera l'affaire. Ok.
Alors, ce que je pourrais faire si je veux finir la mission, c'est assez risqué, mais je vais passer. Ah. Ah non, ça fait longtemps que j'en avais pas eu. 20 000. Ils doivent être très très nombreux. On va essayer d'en venir à bout, mais. Ok. Il y a. Ah, bordel! Alors ça, c'était le premier première secousse qui en général pas très forte, mais elle annonce quelque chose de beaucoup plus fort. Et ça, c'est très très chiant. Parce qu'en plus, mon matériel a beaucoup servi un peu partout. Donc je suis sûr qu'il y en a qui va il y en a qui va y passer là. Non, lui, ça va. Ah, j'ai beau avoir beaucoup plus de chirurgiens qu'avant, il n'en reste pas moins que ça a l'air d'être compliqué quand il s'agit d'en trouver. Je crois que j'ai jamais eu autant de docteurs hein, d'un autre côté. Ah merde, j'ai envoyé réparer. Bon. Alors, ce que je voulais faire, c'était vitesse maxi. Mais je crois que c'est trop tard de toute façon parce que je vais arrêter. Ouais, c'est pour ça que je vais l'arrêter. Ah, c'est fini déjà? La vitesse maxi. Voilà, ça explose de partout. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais arrêter l'épisode ici. Je vous remercie tous de m'avoir suivi pendant un mois sur ce jeu que j'avais particulièrement aimé il y a 15 ans et qui reste toujours honnêtement le meilleur du genre. C'est d'ailleurs quasiment le meilleur. Le seul du genre, si on parle vraiment des simulations d'hôpital, voilà, j'ai tout détruit. Quand on fait pas gaffe, tout y passe. Il y a eu quelques remakes, quelques tentatives, mais jamais avec beaucoup de succès. Je vous invite à suivre évidemment mes autres let's play, Europa Universalis 4, Hearts of Iron, et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau let's play. Alors, je pense avoir décidé le jeu, il faut encore que je vois si ça peut se faire. Mais donc au mois de juillet, ce sera un nouveau jeu. Non, je vais pas le dire tout de suite, je vais attendre. On en a pas mal parlé au cours du mois de juin d'ailleurs, de la suite. Vous verrez ça demain. Même heure, 19 h. Ah, je réfléchis. Non, demain c'est mercredi, donc premier épisode en fait de mon nouveau let's play, ce sera 9 h. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Et à demain pour un nouveau let's play.